Hello everybody! Bonjour tout le monde! Hola a todos! Bienvenuti a tutti! Willkommen alles! Voilà, j'ai réussi à le dire dans plusieurs langues. Bienvenue dans ce top des films français de l'année 2020. Selon nous, c'est-à-dire déjà en fonction des films qu'on a vus et des films qu'on a aimés, donc forcément subjectif. Et comme on est deux, c'est subjectivité et subjectivité. Multiplié par deux. Voilà. Vous avez le vôtre, il n'y a pas de souci. Partagez-le nous. Et voilà. Juste une petite précision, si je me base sur certains commentaires un peu débiles que j'ai eu les années précédentes. Si vous n'avez pas vu les films, évitez d'en parler des fois, vous savez. On peut dire des bêtises sans avoir vu un film des fois. Mais bref, voilà. Ceci étant dit, on va commencer très rapidement. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simple. On a chacun notre top 10 personnel. On va dire notre dixième, et ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je tiens à préciser que, en fait, avec cette année un peu compliquée, j'ai pas vu beaucoup de films français. Ce qui fait que le top 10 que j'ai fait, il vaut ce qu'il vaut, voilà. Mais il y a quand même du très bon là-dedans. Je suis très content. Parfois, peut-être un peu compliqué. Il faut pas oublier qu'un top 10, ça dépend aussi de ce qu'on a vu. Et entre autres, je vous dis déjà, le dixième, ça va gueuler. Je vous préviens déjà. Et moi-même, je l'ai mis en mode, ouais, je vois, mais voilà. Bref. En sachant que même moi, je ne le sais pas. Exactement. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais vous le savez, on a un monsieur Yaya ici, mais vous avez l'habitude de le voir sur la chaîne. Hein. Ce n'est pas comme si c'était nouveau. Hein. Et en plus, ce n'est pas comme si c'était nouveau pour parler de cinéma français sur la chaîne. Tout à fait. T'es le French de la chaîne. C'est con, c'est une chaîne française. Vive le cinéma français! Il faut faire avec l'accent, s'il te plaît. L'accent toulousain. Vive le cinéma français. Voilà, alors vive le cinéma, je le fais très mal. Alors, c'est parti. On commence par le numéro 9. Et ton numéro 9, Yaya, c'est... Le 10, non ? Oui, 10, 10. Oui. Non, mais toi, je dis que le 10, c'était... Je veux le zapper le 10. Alors, le numéro 10... Alors, j'ai un peu triché parce qu'il n'est pas uniquement français, mais pour moi, ça rentre dans les films français. Donc, alors, c'est un film qui est dans... Est-ce que tu es sûr? J'allais dire, parce que j'ai vu ton classement, attention que ce soit bien des films français, pas francophones. Hein. J'ai un doute, en fait. Je ne sais pas trop, mais pour moi, il est français. Et de toute façon, comme il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas le savoir. Alors, c'est un film qui est passé dans une salle à Paris. C'est donc, pour ça que j'ai pas vu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, malheureusement. Alors, c'est un rapport avec 1917 qui est sorti cette année, c'est que c'est un film qui est en vrai, pour le coup, là, lui, il est en vrai plan séquence, et c'est Aland. J'ai une bonne nouvelle, je ne l'ai pas vu, j'en ai jamais entendu parler. Logique. Logique, ouais. Et puis il est passé que dans une seule salle à Paris, et j'ai même dû payer pour aller le voir, donc c'est pour te dire. Oh, t'as payé pour voir un film? Ah oui, parce que la carte UGC est passée dans ce cinéma-là, mais il prenait un truc de 5 euros en plus, donc j'ai été obligé de payer. D'accord, ouais, donc c'est bien que c'était une projection spéciale. Il ne devait pas y en avoir 3 millions non plus des projections. Bah, il le passait que ce jour-là. Et, je crois qu'il est passé dans une ou deux villes après, peut-être, parce que je crois que Valentin, il l'a vu, Valentin des Chroniques du Cinéphile. Ouais, bah, lui, il est passé que dans une seule salle. D'accord. Et donc, c'est bien. Alors, c'est génial. C'est un plan séquence d'une heure et demie. Et un vrai plan séquence comparé à 1917 dont je parlais tout à l'heure, c'est un vrai plan séquence. D'accord. Voilà. Donc, le numéro 10 de Yaya, Aland. Voilà. Bon, alors moi, ça va tirer la gueule, comme je vous ai dit, avec mon numéro 10. Vous êtes prêts, hein? Mais qu'est-ce donc? Numéro 10, j'ai mis les blagues de Toto. Non, c'est une blague. Je ne l'ai pas vu, les blagues de Toto. Peut-être qu'il est bien, je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas en parler, comme je disais tout à l'heure. J'ai mis... Bronx d'Olivier Marchal. Oui, mais ça, c'est un truc Netflix, non? Ouais, alors, monsieur prend des films qui sont peut-être pas français et il vient nous faire la morale. En fait, je vous explique pourquoi Bronx. Je suis d'accord, l'histoire est quasi incompréhensible. On se perd dans cette histoire. Et il y a un passage filmé de nuit, on piche que dalle, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire là-dedans? Mais malgré tout, je peux pas m'empêcher d'aimer... Surtout, entre guillemets, en France, même si je ne suis pas très fan de dire c'est un film de genre français, donc il faut le soutenir, même si c'est nul. J'aime bien l'aspect polar sombre, l'aspect réaliste, l'aspect... voilà, je trouve que c'est un film qui dénote avec ce qui se fait généralement dans le cinéma français. C'est Olivier Marchal, il a ça pour lui, c'est que
Voilà, il a ce côté polar de la rue et tout ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas, beaucoup qui disent que ses premiers étaient bien et après c'est pas terrible. Je suis tout à fait d'accord avec les critiques qu'on peut faire sur ce film, mais il a quand même une ambition, une réelle ambition, pas juste faire semblant d'avoir une ambition que je trouve bien. Après, comme je vous ai dit, honnêtement, je l'ai mis là parce que. Parce que bon, on va pas dire que Brutus contre César allait finir dans le top, donc enfin, j'exagère, mais voilà, je l'ai mis plus pour son ambition et pour ce. Ouais, et malgré tout aussi, parce que j'aime bien ce côté polar sombre en France, enfin sombre, hard-boiled, on va dire, je kiffe cette idée-là, j'aime bien ça. Après, oui, il est rempli de défauts dans tous les sens. Voilà, c'était mon dixième, je vous avais dit que ça allait gueuler. Restez, 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 il y en a encore d'autres. On passe donc au numéro 9 cette fois. Alors, le numéro 9, pour moi, il est dans beaucoup de tops cette année. Je suis très étonné. C'est Play. Ah, bien. Ouais. Alors, Play, alors, pour la simple et bonne raison que Max Boublil a fait le film, donc il remonte à, quand même aux années où moi, j'avais le même âge, en fait. Donc, c'est totalement nostalgique pour moi parce que j'ai eu l'impression de revivre de mes 12 à mes 40 ans, quoi. Voilà. C'est les musiques, enfin, tout ce qu'il y a dedans, c'est presque comme s'ils racontaient nos vies, en fait, de ceux qui sont nés comme ça, enfin, qui ont eu leur adolescence dans les années 90. Donc, voilà. Et en plus, il a parlé à un public très large, parce qu'il y a des gens beaucoup plus jeunes qui l'ont mis dans leur top en disant que ça leur donne un côté de nostalgie aussi. Voilà. Et en plus, le film est super bien fait. Donc, voilà. Il méritait d'être dans mon top 10 des films français. Tu veux que je te dise, moi aussi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé en effet qu'il y avait beaucoup de nostalgie qui moi aussi m'a énormément parlé, tu vois. À part ça, l'histoire en elle-même, elle est assez simple, mais elle est aussi bien racontée, je trouve. Alors certes, peut-être que si on enlevait tout l'aspect nostalgie, ça fonctionnerait moins, mais je trouve que c'est un film qui fonctionnait. Ah si, si, même sur le côté nostalgique, le film aurait été sympa. Mais là, c'est encore plus, en fait. Ça rajoute sur de l'huile sur le feu, comme on dit. Ouais, ben, positivement, dans ce cas-là. Positivement, oui, bien sûr. Alors, moi, mon numéro 9, on en a parlé, on en a fait une vidéo ensemble. Donc, Ah. et c'est. J'ai mis Taper chaud. Ah, là, ça va gueuler aussi. Ouais, mais ça va gueuler tout le temps avec moi, t'en fais pas, j'ai l'habitude. Alors, Taper chaud, c'est un film qui commence de manière. Un peu comme on l'attend, en mode vraiment un peu. Enfin, moi, c'était le souvenir que j'en avais, toi, t'étais pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouvais que le début était un peu, ouais, un peu malsain, vraiment, tu sais, le film français un peu mal fait, qui essaye de se la jouer, film de Jones, vous avez Teen Movie, un peu comme ça. Et finalement, dans son développement, il développe un truc très français d'ailleurs, ce petit truc, cette petite tendresse pour les personnages, cette petite tendresse pour le personnage de la mère, et même pour les personnages principaux. Peu à peu, on quitte ce côté un peu teen mal fait, on va dire, pour mettre un petit peu autre chose à la place. Et au final, alors, je ne dis pas que c'est un grand film, mais je trouve que c'est un film qui a ses qualités. Et qui, franchement, à l'arrivée, tu te dis, c'était pas gagnant, mais à la fin, il m'a pécho. Bien. Je l'ai travaillé, celle-là, je l'ai écrite. Il m'a pécho. Quelque chose à dire sur le film? Peut-être. D'accord, ok. Peut-être. Donc ça veut dire qu'il l'a mis plus haut, suspense. Bon bah du coup, puis bon, de toute façon, on en a fait toute une vidéo. Si vous voulez avoir son avis, mon avis, dans des gros détails, allez voir notre vidéo. Elle est super la vidéo. Mieux que le film, croyez-moi. Numéro 8. Alors, numéro 8, on retrouve notre petit François Ozon avec Été 85. T'as mis Été 85 en 8e position. Tout à fait. Et j'assume. D'accord, vas-y, alors dis-nous les qualités du film. Les qualités du film, bah, déjà, c'est une histoire qui me parle beaucoup. En 85, j'avais 5 ans, donc c'est pas le truc, vraiment l'histoire du film, mais ça me parle beaucoup, parce que moi, je suis un grand fan de François Ozon. Il revient un petit peu à ses premières amours, on va dire. En plus, je l'ai vu en avant-première en sa présence, donc ça a ajouté du truc. Et non, j'ai trouvé l'histoire formidable. On est vraiment replongé dans cette année 85. C'est vachement bien, ré
vachement bien réalisé, c'est vachement bien. On est vraiment en immersion, c'est très réussi. Et bah, l'histoire en elle-même est incroyable. On sait qu'il se passe un drame dès le début, on sait qu'il y a quelqu'un qui est mort, mais voilà, on remonte l'histoire comme ça et j'ai trouvé ça vraiment passionnant, mais vraiment. Dans le film, il y avait, si mes souvenirs sont bons, quelque chose qui se mélangeait justement entre le drame et le thriller, quand même, un petit côté thriller sur qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer et tout ça, qui faisait que le film fonctionnait bien. Pardon, au-delà, évidemment, de sa pure mise en scène et Et aussi compagnie. le film de vacances, c'est Le aussi. sujet, je ne dirais pas que c'est un film de vacances, mais même s'il évoque la plage, ce n'est pas un film que je dirais, Il y a un tiens, genre. mélange des genres. Il y a un mélange des genres. Mais c'est vrai que c'est un film plutôt positif à ce niveau-là. Alors oui, son sujet peut un peu, comment dire, fatiguer les gens de nos jours de certaines répétitions de ce genre de choses faites un petit peu à l'arrache. Mais là, c'est un bon film. Et donc, pour moi, ça ne m'a pas du tout dérangé. Bon, après, toi, tu l'as mis en 8e position. Je ne veux pas dire, mais je l'ai mis en 8e position aussi. Ah, bravo, t'es bien concerté, hein. C'est Bon, pour ça bah, que du j'ai coup, dit, je l'ai mis en 8e position. eh ben, du coup, passe au... eh ben, si on fait ça tout le truc, ça va être rapide, hein. Ça va aller plus vite. Alors Donc, maintenant, 7e position du coup. alors, 7e position, j'ai mis Adieu les cons. Alors, ce qui s'est passé, c'est que si je m'étais écouté à la sortie de la salle, il aurait été beaucoup plus haut. Mais avec le recul, j'ai beaucoup aimé le film. Mais moi, je suis quand même depuis pas mal de temps la carrière de Dupontel, même avant qu'il soit dans le cinéma. Moi, j'adorais en One Man Show, tout ça. J'ai toujours aimé Dupontel. Voilà. Et je trouve que si j'avais dû mettre un film beaucoup plus haut de Dupontel, voilà. J'ai regardé ce que j'avais vu aussi dans l'année et c'est vrai que il marche sur le moment, mais étrangement, un mois après, j'en avais plus beaucoup de souvenirs. Donc, je me suis dit pourquoi? Et je me suis dit bah, peut-être parce qu'il m'a moins marqué finalement que d'autres films qui m'ont marqué sur la durée. Alors que celui-là, je suis ressorti du film vraiment bah, avec la banane, avec le truc, mais en y réfléchissant après. Oui, voilà, il est dans le top, hein, de toute façon. Donc voilà, je sais que j'ai vu flopé de films français cette année. Donc voilà, parce qu'il y avait quasiment que ça au cinéma pour le coup. Donc s'il est dans le top, c'est quand même qu'il est extraordinaire. Voilà, mais j'ai tout aimé l'histoire. Moi, j'adore Virginie Fira, et dedans, elle est extraordinaire. Le couple, enfin, le couple, c'est pas vraiment un couple, mais le duo marche très très bien. Et c'est drôle et c'est parfois triste, c'est très enlevé, c'est feel good. Voilà. J'ai envie de rajouter aussi que il faut voir un petit peu plus loin. Il y a une critique du monde connecté, hyper connecté, où tout est stocké et tout ça, mais fait avec du recul. Toi, c'est pas premier degré en mode ah on est espionné ou des trucs comme ça. Mais il y a ce sujet qui est là, qui donne aussi à ce film un truc plus profond. Voilà ce que j'aurais à dire sur Adieu les cons. Donc là, c'était le 7e film. Ouais, et toi, Moi, tu as mis quoi en en septième? 7e, j'ai mis Roulement de tambour. Terrible jungle. Non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Non, c'est une blague, c'est une blague. Calme-toi, calme-toi, c'est une blague. Allez, sortir les pics, là. On a fait la vidéo ensemble sur Terrible jungle, c'est pour ça que je lance ça. Mais en fait, c'était 30 jours max. Non, c'est une blague aussi. Bon, je vais arrêter avec les blagues de merde. C'est ADN en 7e position. Ouais. Moi, je l'ai pas dit. En 7e. Non. Donc, ADN, comme j'avais dit dans la vidéo qu'on a fait, qui est un petit peu buggé, hélas, mais que vous pouvez aller voir quand même, c'est un film qui c'est un peu difficile à évaluer pour moi parce que c'est un film qui m'a énormément parlé au niveau du vécu de la personne. J'en ai déjà assez parlé, j'en ai fait presque une psychanalyse dans la vidéo. Si vous voulez tout savoir sur ma vie, allez là-bas. mais c'est un film qui m'a énormément parlé. Après, la question, c'est ce qui me parle à moi ou est-ce que c'est un bon film? C'est pour ça que j'avais insisté pour faire la vidéo avec quelqu'un d'autre, pour avoir un avis extérieur, et cet avis extérieur, c'est lui là. Et il m'a dit qu'il avait beaucoup aimé aussi, que lui-même avait été très touché, donc semble-t-il, après c'est vrai que je suis allé un peu regarder les avis, je ne les ai pas lus, mais un peu le ressenti des gens, et semble être plutôt positif la réception, donc je me dis que je ne suis pas le seul à m'être plus ou moins reconnu, directement ou indirectement, c'est-à-dire soit on se reconnaît vraiment faire à peu près le même vécu, ou alors juste
on arrive à rentrer en contact avec les soucis de la personne, on va dire. Et moi, c'est un film qui m'a énormément parlé, malgré une fin qui est bien dans le film, mais qui, par rapport au problème, est un tout petit peu rapide et un peu simple. Enfin, en même temps, les avis des gens, il y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu parce qu'il est sorti la veille du reconfinement. Donc, il y a que ceux qui l'ont vu en avant-première éventuellement ou dans des festivals. Mais en France, il n'a pas été beaucoup vu du coup, puisqu'il bah, les salles de cinéma fermaient. Donc, Mais il est sorti la veille, donc il y a quand même eu un jour, il y a quand même, je veux dire, un peu de public normal. C'est normal parce que ceux qui vont en avant-première ou en festival ou tout ça, généralement, c'est un public qui est un peu plus motivé. Je veux dire, peut-être. Voilà, Généralement, mais les premiers jours, c'est les plus motivés, et après, c'est ceux qui sont un peu plus modérés. Je dis de base, hein. Après, ils peuvent aimer, pas aimer le film, tous, hein, quel qu'il soit. voilà, mais moi, comme je disais, c'est peut-être le moins bon film de Mayouet. Et donc, ton avis sur ce film, très vite fait? Très vite fait, bah moi j'ai beaucoup aimé ce film. Voilà, ça m'a fait voyager, ça m'a fait. C'est toujours une petite partie de la vie de Maïwenn et c'est une fille qu'on aime bien connaître. Si on a vu son premier film, Pardonnez-moi, qui est un petit peu aussi autobiographique, il est peut-être plus fort que celui-ci. Voilà. D'accord. Mais ça reste un bon film. Number six. Number 6, alors c'est Felicita On a de dit Bruno film Mars. français. Le mec qui te sort un truc italien, français. Non, c'est français. Je te mens. C'est par le réalisateur qui avait fait Héros avec Michael Voilà. Youn. On a dit français, pas des films chinois. T'arrêtes. Non, parce que bon, vas-y, continue. Continue. Voilà, Felicita, c'est un feel-good movie, c'est un film sur une famille pas comme les autres, c'est léger, c'est frais, c'est émouvant, c'est très 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 drôle. Il y a des moments vraiment méta. Voilà, je peux pas trop en dire parce que faut le voir, il faut le voir, il faut le voir. Il y a les apparitions d'un certain chanteur qui sont géniales. Voilà. D'accord. Alors, moi, Felicita, je n'ai pas pu le voir, il n'est pas sorti chez moi, donc je ne l'ai pas vu, je ne pourrais donc rien en dire. Du coup, moi, en sixième position, tu vas me dire que je prends que des films qu'on a fait ensemble, bah oui, en partie, puisque j'ai mis Antoinette dans les Cévennes. M'en doutais. Il en reste beaucoup qu'on a fait ensemble, hein, à part Terrible Jungle. Ouais, tu l'as mis numéro Ouais, un. voilà. Donc, Antoinette dans les Cévennes, un film qui commence presque comme un film, tu sais, le stéréotype du film lambda, je vais dire, pas la même chose que pour Tapécho. Au début, tu arrives, tu fais, bon, ok, qu'est-ce que ça donne? Et puis, peu à peu, dans ce paysage, dans ce beau paysage et tout ça, on s'attache au personnage, on s'attache à la relation entre cette femme et cette Anne. Et cette femme qui, au début, pourrait d'ailleurs paraître antipathique, hein, parce que quand même... Qui a une relation avec un homme marié et tout ça, enfin je veux dire, c'est pas très moral tout ça, même si de nos jours j'ai vu plein de films qui justifiaient cette morale. J'ai trouvé que c'était, ça peut paraître immoral, mais peu à peu il y a quelque chose qui se crée. Peu à peu d'ailleurs, il y a une morale qui vient quand même, hein, je tiens quand même à le préciser. Puis elle arrive avec tellement de saveur, ah oh là là, tu te souviens, enfin j'ai pas envie de spoiler, mais ah oh là 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 là, le moment, oh. Et puis le film. Mon plus gros fou rire au cinéma cette année. Et ouais, c'est aussi un film comme ça. Alors j'essaie de m'en rappeler, mais qui a un petit côté coquin aussi, un petit côté espiègle, tu vois, en règle générale. Et Très bien parfois, écrit. voilà, parfois on rigole du personnage, parfois on rigole avec le personnage. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une ambiance comme ça. Et pour moi, ça, par exemple, ça fait plus film de vacances, même si c'est pas la plage. Moi, je suis plus plage que montagne, tu vois. Mais là, j'ai plus l'impression d'un film de vacances. Tu vois. Ouais, bah, c'est un peu ça, ouais, c'est totalement même. Hein. Donc Antoinette dans les Cévennes, pour moi, une petite bonne réussite. D'accord, bah ouais, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. On passe au numéro 5. Eh bah, t'as pécho ou t'as pas pécho? Bah écoute, moi en ce moment avec le Covid, c'est un peu compliqué, hein, les relations avec les autres. Moi, voilà, je l'ai mis un peu plus haut, j'ai mis t'as pécho. Je sais D'accord. que je vais encore me prendre des. Voilà, je vais entendre, mais pourquoi tu mets ce film de merde? Bah non, je pense qu'il y a. Il y a peu de gens qui l'ont vu, donc voilà, je pense que c'est un film qu'il faut voir avant de dire j'aime pas. Mais tu Voilà. connais des films qu'il faut on dit j'aime pas avant de les avoir vus? Oui, moi, tous les films de Danny Boone en général.
Non, mais tu peux dire, ça ne me dit rien, mais peut-être que celui-là, tu Oui, l'aimerais. j'y vais pas parce que ça ne me dit rien. Voilà. Je ne vais pas dire que c'est un film mauvais, c'est juste que moi, je n'aime pas. Voilà. Mais donc t'as pécho, voilà, pour toutes les raisons que tu as dit tout à l'heure, mais aussi pour me dire que ce n'est pas qu'un teen movie idiot, c'est y a un message derrière, il y a certes il est bourré de défauts comme beaucoup disent, mais moi ça je m'en fiche, moi c'est l'histoire, c'est le rapport que j'ai avec les personnages qui comment ils me touchent ou pas, et voilà, moi c'est un film qui m'a touché. S'il te plaît, tu peux éviter de dire que comment il touche dans un film qui s'appelle Tapé Chaud, s'il te plaît? S'il te plaît, un peu de tout nu. Moi j'adore Ramzi Bedia, j'adore Vincent McCain, tout ça. Moi je les ai trouvés super bien, super touchants là-dedans. Ça sortait un petit peu de leur zone de confort. Et il y a l'actrice qui fait la mère du gamin, du héros, enfin, du gamin principal, que je connaissais pas du tout et qui m'a vraiment touché. Voilà, le film m'a totalement parlé. Et en plus, c'était réalisé par une femme. Je trouvais ça super. Franchement, moi, je suis ressorti du film, j'avais du baume au cœur, j'en croquais la vie, c'était voilà. Je tiens à préciser qu'Antoine est Je dans suis les retrouvé Cévennes. devant American Pie, quoi. Je tiens à préciser qu'Antoine est dans les Cévennes était aussi réalisé par une femme, donc pour dire que voilà, on s'en fout, Aussi. mais puisque tu le précises, voilà. Toi, moi je ne l'ai même pas précisé, mais voilà. Girl power. Voilà, exactement. Ouh. Alors, en cinquième position, mais tu sais, on va se faire engueuler à tous les trucs, t'en fais pas. Moi j'ai mis tout simplement Noir. Ouais, pourquoi pas? Alors, c'est un film. J'ai vu une critique sur Internet, j'ai cherché un peu, voir, j'ai un peu cherché la merde, on va dire. J'ai été chercher quelqu'un, et c'était des gens de couleur, donc comme dit le film, faut dire noir, faut pas tourner autour du pot, alors on va suivre ce que dit le film, et qui se plaignaient que le film donnait une mauvaise image et tout ça, et quand j'ai vu le film, j'étais là, mais pas du tout, enfin c'est pas du tout la sensation que j'en ai eue. Je suis pas sorti du film en me disant, ça donne une mauvaise image des noirs, moi ce que j'ai vu. Plutôt apprécié. Bon, alors le film, je n'ai pas dans les détails, et vu le sujet, il faudrait faire attention à ce qu'on dit pour ne pas se tromper. Donc, si je me trompe par rapport au film ou autre, excusez-moi. Mais dans mon souvenir, c'est un film qui essayait de montrer, en effet, le côté revendicatif réel des Noirs en France, mais aussi parfois le côté peut-être commercial, juste pour se faire voir, ou parfois aussi certaines dérives. Et je trouvais que c'était un film qui arrivait à équilibrer les deux, et donc à faire passer son message, entre autres grâce à sa fin, où le film, il a l'air modéré, mais à la fin, il donne réellement son message quand même. C'est-à-dire, il y a des abus, c'est vrai, mais il faut quand même qu'on fasse des choses. Et je trouve que c'était un bon message. Je repense à la scène avec, comment il s'appelle déjà? Ah, Harry. pardon, non, oui, non, mais lui, il a 50 scènes. La scène avec, comment il s'appelle déjà? Le réalisateur de la haine, c'est Kassel, Ah, voilà, pas bien Kassel. joué. Kassovitch, j'étais à Kassel, Kassovitch, voilà, Kassovitch. Où justement, il montre ce que c'est que le stéréotype de l'Africain vu par les gens au cinéma, par exemple, là, c'est une scène. Ou quand il fait non, mais je veux de l'Africain, mais il fait mais je suis Africain, ouais, non, mais je veux le vrai. Là, il y a des trucs qui sont très vrais. Donc le film, il est très équilibré en montrant le bon et le mauvais et en arrivant quand même à la fin en délivrant le message. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont joué le jeu. Et par exemple, il y a la scène avec Eboué où il s'engueule avec l'autre aussi. Oui, Justement, les gens de qui j'avais vu la jamais. vidéo. Voilà, les gens de qui j'avais vu la vidéo, ils se plaignaient en disant que ça montrait que la communauté noire ne se supportait pas, qu'ils se détestaient les uns les autres. Non, moi j'ai plutôt vu ça en mode les mecs qui justement arrivaient à parler du sujet, mais aussi parfois à prendre un peu de recul sur la chose. Et Oui. voilà. Alors, encore une fois, je me base sur mes souvenirs du film. Et comme vous le voyez, je suis pas grand-chose, moi, à ce niveau-là, ça va, je m'en sors plutôt bien. Mais s'il y en a qui sont pas d'accord avec ce que je dis, vous pouvez l'expliquer dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai trouvé que c'est un film qui revendiquait correctement les choses. Voilà, tout en montrant aussi que parfois, bah oui, on n'a pas toujours tort et qu'ils savent avoir du recul sur eux. Ça, c'est bien. Ouais, moi Mais j'avais. Ouais, bon, les 10 dernières minutes qui m'ont pas plu du film. bah, moi, je trouve que c'est une preuve de maturité, en fait, d'être capable de faire ça. Je parle pas des 10 dernières minutes, je parle du fait de c'est-à-dire c'est une preuve de maturité, de savoir dire ce qui va et ce qui ne va pas, et pas juste crier ce qui va pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans le contexte où il est sorti, en fait, c'est ça le truc aussi, C'est vrai que le timing n'était pas très bon. des manifestations qu'il y avait partout un peu à Paris, tout ça.
Il y a eu cette histoire qui est arrivée juste un petit peu avant. On dirait que le film, voilà, la fin, on dirait qu'il a retourné une fin ou je sais pas. C'est Bah moi, j'ai trouvé un malgré moment tout. bizarre. Voilà. Moi, il y a des choses qui m'ont Les semblé. dernières minutes, pour moi, n'étaient pas au niveau de l'heure et demie qu'il y avait, quoi. Qui était Moi, je suis. extraordinaire et je sais pas, les 10 dernières minutes, je sais pas. J'ai pas compris. Moi, ce qui m'a paru bizarre, c'est la relation qu'il a avec sa femme, qui est justement une femme blanche, on va dire. Oh, C'est pas le souci. c'est C'est que super. le mec, il n'arrête pas de parler du fait que c'est un noir, que je sais pas quoi, et puis il est marié avec une femme blanche. Hein, je veux dire, Mais dans c'est la vie super. réelle, je ne vois pas du tout un couple comme ça fonctionner. Je veux dire, tu te maries avec quelqu'un, je sais pas, une Péruvienne, je dis ça au bol, hein, et puis elle n'arrête pas de te dire, ah, nous, les Péruviens, au bout d'un moment, j'ai fait, bon, écoute. Mais non, mais c'est ça Si. qui est bien, c'est ce qu'il a fait, comment il s'appelle déjà, Zidi, c'est ça? Le héros, je sais plus comment il s'appelle. Oui. Voilà, franchement, c'était un bon film. Ouais, voilà. Mais après, moi, comme je t'ai dit, la fin m'a déçu. Donc, du coup, c'est comme le soufflet, tu sais, c'est vachement monté à la fin, pouf, Ouais. c'est fendant. Je tiens quand même à repréciser, là déjà le film je l'ai vu il y a un moment, si vous voulez voir la vidéo que j'ai fait avec Aurel, Aurel auquel j'ai d'ailleurs proposé de participer à ce live, mais il ne pouvait pas. Je me suis dit qu'il y en a un troisième. Mais vous pouvez aller regarder la vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez l'expliquer. Comme je vous ai dit, moi je suis peut-être pas la personne la plus apte à en parler. Je vous dis ce que j'en ressens moi en tant que personne. Et puis voilà, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me l'expliquer, il n'y a pas de souci. On passe, c'est lequel? Le prochain, c'est le numéro 4. Oui, c'est Numéro ça. 4. Numéro 4. Eh bien, un film que j'ai vu en avant-première, avant le premier confinement, j'étais super content, parce que Ah, les je autres ont savais. dit Je que, savais. avant la sortie, avant le deuxième déconfinement, c'est Miss. Je savais que tu allais dire ça. Dès que tu as dit, je l'ai vu, hein, j'ai fait, il va mettre pisse. J'ai pas de mots pour qualifier comment ce film est extraordinaire. Déjà, j'avais beaucoup aimé la première réalisation du mec qui est La Cage Dorée, qui est resté un film. Voilà. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut faire après ça? Est-ce qu'il peut faire encore mieux? Et bah oui, il l'a fait avec Miss. Cette histoire de mec qui veut conquérir à Miss France, hein, même si c'est pas trop évoqué, c'est forcément le concours Miss France. Hein. On dit que c'est Miss France. Voilà, ça marche, tout marche, l'humour marche, les scènes d'émotion marchent, l'acteur principal, c'est bluffant. Quand il est habillé en fille, c'est bluffant. On voit pas les maquillages, tout ça, c'est très très bien fait. La musique qui porte le film est extraordinaire, les morceaux choisis, parce que c'est plus une BO avec des chansons. Il y a notamment une chanson de Clara Luciani qui est extraordinaire, qui s'appelle Drôle d'époque. Je vous conseille d'écouter cette chanson, elle est magnifique. Je vous conseille d'écouter Clara Luciani, de toute façon, elle est géniale. Voilà. Voilà, tout n'est que bonne idée. On passe un super moment, on rit, on pleure, non, ça m'a rappelé un peu les crevettes pailletées que j'avais adoré l'année d'avant. C'est un peu dans le même style, où on vend ça comme une comédie, mais c'est pas du tout une comédie, c'est un film sur la vie. C'est magnifique. Alors Voilà. moi, je vais dire sur ce film, un peu comme ce que j'ai dit sur Été 85, c'est-à-dire, oui, le sujet de base, bon, sérieusement, on me dit, le sujet, c'est l'histoire d'un mec qui veut devenir Miss France. M'intéresse absolument pas. Mais vous savez, si on m'avait dit, c'est l'histoire d'une femme qui veut devenir Miss France, je vous aurais fait pareil. On n'a rien à cirer de Miss France. Rien à carrer de Miss France. On a foutu ça, peut-être pas. Non, c'est horrible la blague que je viens de faire. Non, je veux dire, on me dit ça, je dis, scénario de merde, je m'en fous. Mais le réalisateur, il arrive déjà, un, à respecter le concours de Miss France, qui est montré de manière beaucoup plus intéressante que ce qu'on a l'habitude de voir, montré un peu comme une véritable compétition sportive, et qui ne sait pas tant être une pimbèche à la télé pour être élue la plus belle. Il y a aussi finalement tout un peu comme un film de sport, c'est-à-dire ça permet, entre guillemets, un film de boxe de sortir de sa condition, toutes ces choses-là qui sont dedans. En plus, le film fait clairement le parallèle avec le film de boxe, enfin avec le film de sport, mais avec de la boxe, sur le mental et tout. Donc il y a vraiment un truc là-dessus. Et comme a très bien dit le réalisateur lors de l'avant-première que j'ai vu entre les deux confinements, perso,
il nous a dit un truc et c'est totalement ça. C'est-à-dire, il a voulu faire un film qui défendait une cause, certes, mais un peu comme d'ailleurs dans Tout simplement Noir, il n'a pas voulu faire un film qui était fermé, en mode pleurnichard, en mode ah, qu'est-ce qu'on est triste, les autres c'est des salauds. Il a tout compris, parce que c'est comme ça qu'on fait passer un message, en ouvrant le truc et en accueillant les autres avec de l'humour, avec une histoire sympathique qui te prend. Alors même si au départ, moi, l'histoire, voilà, ça me disait, enfin, un garçon qui veut devenir Miss France, quoi. Foutaise, et allez, et encore un film qui va nous parler de ça, allez. Mais j'ai trouvé qu'il l'a tellement bien mené que tu adhères à cette histoire. Tu Ah, c'est adhères plus à profond, cette c'est histoire. plus profond, oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que doit réussir, j'ai toujours dit, un film qui défend une cause, c'est il doit t'accueillir pour te présenter sa cause. Il ne doit pas te cracher à la figure sa cause. Il doit t'accueillir, pas comme un enfant, comme un adulte. Et le film, c'est un film adulte qui t'accueille et qui, par l'humour, par son histoire qui a vraiment des tournants dramatiques et tout, qui t'accueille et te fait passer un excellent moment. Et donc, au final, j'étais très content. De plus, bon, après ça, c'est en bonus, mais c'était après avoir vu le film, j'avais déjà beaucoup aimé. J'ai trouvé que le réalisateur et l'acteur qui étaient là, ils expliquaient les choses et ça collait parfaitement à ce que j'avais cru ressentir sur le film et tout ça. Donc, je leur tire mon chapeau, j'ai trouvé qu'ils étaient très bien. Voilà, tout simplement. Tout simplement, noir. Et Bah, du tout coup, tu simplement. deviens en quatrième? Non, moi en Non? quatrième, j'ai mis Adieu les cons. Ah, tu l'as mis un peu plus haut, toi. J'ai mis un peu plus haut. Adieu les cons, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir. Mais enfin, ouais, on a déjà tout dit. Un film qu'on peut lui trouver des imperfections, on peut lui trouver une certaine simplification peut-être, mais quand on creuse un peu les idées, par exemple ce que j'ai dit, le coup du tout connecté avec l'histoire de l'ascenseur, au bout d'un moment, on peut trouver ça pathétique. Mais quand on comprend que c'est l'histoire du tout connecté, de trop connecté, la surconnexion et en même temps la déconnexion du rapport humain, alors, le Covid n'aide pas, vous voyez ce que je veux dire, mais même avant, donc il y a la surconnexion Internet, mais moins de connexion humaine, bah, cette histoire de l'ascenseur, où il est là en train de manipuler les ascenseurs, bah, ça prend tout son sens. Donc adieu les cons, quatrième position pour moi. Ouais. Numéro 3. Alors moi je vais rester dans le un peu dans le LGBT, on va dire. Numéro 3, alors un film vraiment extraordinaire qui s'appelle 2. Je voulais pas dire 3 2, donc c'est pour ça que j'ai rajouté une petite phrase avant. Donc 2, qui est l'histoire en fait de deux femmes assez âgées en fait qui entretiennent une liaison depuis des années en cachette de la famille des deux et qui décident donc de vendre parce qu'ils se sont en fait pour être plus près l'une de l'autre, ils se sont installés dans le même bâtiment au même étage mais dans deux appartements séparés et l'autre bah, donc ses enfants sont grands, enfin, voilà, sa fille est grande, elle a pas besoin et son ami décide d'acheter une maison ailleurs. Et lui demande de venir avec elle, mais elle a le problème de ses enfants, machin, tout ça. Et au moment où elle va le dire, malheureusement, elle a un accident qui la rend paraplégique. Enfin, il y a pas paraplégique, parce que je crois qu'elle peut quand même bouger un petit peu. Et donc, voilà. Paraplégique, c'est les jambes. Hein. Tétraplégique, c'est le tout. Mais donc, c'est ça, je crois que c'est les jambes. Donc Enfin, paraplégique. bref, elle ne parle plus, enfin, elle a un problème. Alors, ouais. Mais je crois qu'elle peut marcher et tout, mais Elle a un difficilement. problème. Elle a un Bref, problème. voilà, il se passe cet incident-là, ce qui l'oblige à rester dans la maison et sous la garde de quelqu'un. Et donc l'autre femme fait tout pour enfin faire entendre leur amour et pour pouvoir sauver cette femme et pouvoir s'aimer toutes les deux. Et je vous préviens, c'est à la fin on prend une corde et on se pend. Hein. C'est hyper triste comme film, mais c'est d'une beauté. C'est mis en scène. Tout est intelligent. C'est un film magnifique. Moi j'ai pleuré plusieurs reprises pendant le film. Voilà. Et le rôle de la fille est joué par une actrice que j'adore, qui est Léa Drucker, qu'on avait vu dans Jusqu'à la garde. Voilà, entre autres. Voilà, ce film, tout en non-dit, c'est magnifique. On tombe pas dans le pathos, c'est génial. Voilà. Bon, alors Donc, je vais donner j'espère vite fait que mon avis. ça
Je vais te donner mon avis sur ce film parce que je trouve que tu dis des conneries. Hein. Ah bon? Ah ouais, non, là, tu dis n'importe quoi. Alors, très honnêtement, je ne l'ai pas vu, mais tu dis n'importe quoi. Non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux rien dire. Voilà. Bah, si tu peux le rattraper, je te le conseille. Voilà, ok, bah, c'est noté, puisque je note tout. Donc, c'est noté. Il est sorti en DVD chez ESC. D'accord, ok. Alors, moi, en troisième position, j'ai mis Le bonheur des uns. Il se rappelle Ah plus. oui, le On bonheur. en avait fait une vidéo, je me suis dit, il ne se rappelle plus. Le bonheur des. Ah oui, avec Forestier et tout, d'accord. Qui est... Il y a beaucoup de soucis. J'attends quelqu'un quelque part. Il y a plein de trucs comme ça. Donc, oui. 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 Donc, Le bonheur des uns, qui est en tout cas inspiré d'une pièce de théâtre, parce qu'en tant que tel, c'est pas trop une pièce de théâtre, mais il y a des parties qui sont clairement reprises. Un film du commun, j'ai envie de dire. Enfin, il y a quelqu'un qui a du succès dans le film, et c'est ce qui actionne la chose. Mais c'est un film du commun, parce que c'est un film qui représente très très bien, je trouve, les réactions humaines. Parfois de jalousie par rapport au succès, parfois juste des réactions d'accompagnement, mais je trouve que ce qui se passe dans le film est hyper réaliste, ou alors hyper crédible au minimum. Et franchement, le film est... ouais, comment... j'ai pas d'autre chose à dire que ça, là, comme ça, tout de suite. Allez voir notre vidéo. Non. Par contre, la vidéo qu'on a fait, on raconte tout le film. Hein, ça, je me souviens, on a tout raconté. Donc, faites attention quand même. C'est pour ça que là, j'essaye de rendre le moins possible. Mais c'était un film qui fait rire à certains moments, qui a une touche de drame, mais une drame... très vrai, du commun pour un oui ou pour un non. Enfin, c'est un truc que tout le monde a vécu plus ou moins à son niveau. Et je trouve que c'est un film qui fonctionnait extrêmement bien et très bien écrit au niveau de très bien écrit, très bien construit. Pour faire référence à un de nos camarades sur YouTube, il a dit qu'un personnage l'énervait et il était antipathique. Oui, C'est il des était bourgs. bien écrit. Il était bien écrit pour être antipathique. Voilà. Justement, c'était fait exprès. Voilà ce que j'en dis sans trop en dire parce que dans la vidéo, on vous raconte tout le film. Voilà. Quelque chose à dire sur le film, si tu t'en souviens un peu? Oui, bien sûr que je m'en souviens, bien sûr. Bah, moi, on a tout dit dans la vidéo, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Je ne l'ai pas mis dans le top 10, mais il aurait pu y être. Hein. Mais, voilà, il y avait d'autres films un petit peu mieux avant pour moi, mais. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié, qui est drôle, qui montre bien le. On avait eu un tout petit débat tous les deux d'ailleurs là-dessus. Moi, je disais que c'était la jalousie qui était mise en avant. Et toutes les formes de jalousie, en fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais il n'y a pas que de la jalousie aussi dans le film. Il y a aussi simplement trouver sa voie dans le plaisir, je veux dire, dans nos passions et tout ça. Il y a plein de petits trucs là-dedans. C'est pour ça que je pense que c'est un film. Les gens l'ont pris pour un truc encore, une comédie française, comme on dit, mais non, c'est un petit peu plus que ça. Il y a de la comédie française, mais avec un message social, peut-être le terme est un peu fort dans le sens où il ne va pas défendre les riches contre les pauvres, mais un message social dans le sens de vie sociale, oui. Tout à fait. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en troisième position. Position 2, vas-y. Position 2, eh bien moi j'ai. Un film avec l'acteur de Été 85, qui est Benjamin Voisin. Non, ce n'est pas La dernière vie de Simon, c'est Un vrai bonhomme. Un vrai bonhomme qui est sorti en début d'année, qui m'a marqué énormément. C'est l'histoire de deux frères qui s'entendent assez bien. L'un d'eux a un accident, il décède et l'autre voit son fantôme. Et il se sert de ce fantôme pour essayer d'avancer dans la vie, ce qui est compliqué après un tel événement. Et il y a une espèce de relation frère qui est là, qui est magnifique et qui m'a fait verser des torrents et des torrents de larmes. Voilà. Et c'est un des films français qui m'a le plus marqué cette année, qui n'est pas numéro un parce que l'autre, c'est pire. Voilà. Mais voilà, c'est un film que je conseille vraiment, qui est passé un peu inaperçu comme d'habitude. Façon pour les petits films français comme ça franchement j'invite vraiment les gens à le voir parce que c'est un drame humain c'est un beau film sur la fraternité c'est rempli de bons sentiments oui bon tout le monde va dire ça y est c'est faire pleurer dans les chaumières tout ça oui
Oui, mais ça assume ce côté-là. Et ça en fait un petit film un peu fantastique, du coup, puisqu'on brise un petit peu le domaine du réel et de l'au-delà, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas du tout un film fantastique, mais voilà, c'est un film magnifique. Je sais pas si tu l'as vu, toi, mais Non, voilà. je ne l'ai pas vu. Eh ben, je te le conseille. J'imagine. J'imagine, j'imagine, Des films à j'imagine. rattraper. Et puis évidemment, Benjamin Voisin qui est extraordinaire, et l'autre acteur dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui joue le petit frère, qui est vraiment très 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 bien aussi. On croit à leur lien de fraternel, et c'est ça qui est beau en plus dans le film, c'est que on y croit vraiment. Voilà. Alors, en deuxième position, moi, j'ai mis le film Miss, et on a déjà tout dit sur le film, donc on va pas épiloguer. Moi, je l'ai mis en D'accord. deuxième position. Je me permets, j'ai filmé la première partie de l'avant-première quand ils expliquent deux, trois trucs, pas la deuxième, parce que mais non plus, hein, au bout d'un moment le gars il va se dire tu fais quoi, puis aussi parce qu'il faut profiter de l'instant, mais n'hésitez pas à aller voir ne serait-ce que la petite présentation, je trouve qu'ils disent des choses déjà plutôt intéressantes. La deuxième ils ont dit beaucoup de choses, mais ça tombe bien, je les ai repris dans la critique que j'ai fait du film après coup, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, c'est voilà, puis pour le reste on a déjà tout dit, donc moi deuxième position c'est Miss. D'accord. Bon, bah, je crois qu'on arrive à l'ultime, la place de numéro 1. Bah, je Exactement. dirais que c'est un film anti-épileptique. Ah, je sais ce que c'est. Ah bah bien Mais c'est sûr, pas un mon. film, c'est un moyen métrage. Ah non, je suis désolé, il est sorti au cinéma. On met bien les trucs qui sont sur Netflix. Donc moi, je mets un moyen métrage. Non, non, c'est un film Pour toi, français. la taille, ça compte pas, c'est ça que tu veux dire. Il est sorti au cinéma, donc pour moi, il est sorti dans le circuit normal. Voilà, c'est un film et c'est Lux Eterna. Voilà, avec Béatrice Dalle, Charlotte Gainsbourg. Un film, c'est. J'ai été le voir deux fois. Deux fois, deux fois. Les deux fois, j'ai été bluffé. Déjà, il y a 2 ans, moi, j'avais mis Climax en numéro 1. En plus, il avait ressorti Irréversible en version intégrale. Je l'ai pas mis dans le top, je l'ai pas mis parce que pour moi c'est une reprise, même si le film a été voilà. Donc sinon ça aurait été Irréversible qui aurait été premier, voilà. Mais donc du coup j'ai mis Lux Eterna et parce que le film m'a, je suis ressorti du film, j'avais l'impression d'avoir vu un film qui m'a choqué, alors que c'est pas choquant du tout. Voilà, mais il arrive toujours à mettre ce mal-être, à te retourner les tripes et te faire des trucs complètement psychés, complètement. Les 10 dernières minutes, t'en prends plein la tête et tu kiffes ça en plus. Tu kiffes te faire du mal. J'adore pas. Parce que j'y suis retourné. Bon, on va passer à la suite. Et donc, moi, de mon côté, le number one, moi, j'ai mis Play. C'est marrant parce que tu as dit que c'était surprenant, alors que pour moi, c'est pas du tout surprenant qu'il soit dans plein de top, Play. Alors, comme tu as dit, bon, on a déjà tout dit, mais en effet, l'aspect nostalgie joue peut-être beaucoup là-dessus. Le seul truc, un peu défaut du film que je dois dire, c'est que j'ai regardé ce film et je me disais, mais pourquoi je regarde ce film, en fait? J'adore ce que je suis en train de regarder, mais en même temps, pourquoi est-ce que je regarde ce film? Pourquoi est-ce L'effet que je suis magnifique, pas... peut-être. Hein? Non, mais c'est plutôt pourquoi est-ce que je suis pas chez moi en train de me regarder mais en train de Eh regarder bien, les vidéos de ma chaîne, par exemple les vidéos de ma chaîne, regardez-les. Non, mais je veux dire, pourquoi je suis pas chez moi en train de me rappeler des souvenirs de ma vie à moi, de rappeler mes potes à moi, de recontacter cette fille qui m'a envoyé chez oui, parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait plus jamais me revoir et que j'étais un con. Oui, c'est pour ça. Mais tu vois ce que je veux dire, ces trucs-là, tu vois ce que je veux dire, pourquoi est-ce que c'est ce que je me suis dit, entre guillemets, pourquoi tu regardes la vie des autres? Je n'ai pas plutôt une vie, moi. C'est le seul défaut que je vois de ce film. Et aussi le d'accord. fait qu'il raconte quelque chose de très simple. Mais pour le reste, c'est une super reconstitution aussi. Il y a un travail de reconstitution, il ne faut pas le nier. Et le film fonctionne très bien. Donc voilà, tout simplement, Play. Et ben voilà. Ben voilà, c'est le top 10 français. Voilà, alors maintenant, on va faire notre top. Mon numéro 1, moi, de mon top ciné de l'année, ce n'est pas Lux Eterna. Non, Donc non, mais voilà. tranquille. Maintenant, on va faire le top des tops. Donc, pour ceux que ça intéresse, là, je vais couper un peu au montage. Donc, pour ceux que ça intéresse, maintenant, si on fait notre
plus ou moins top à tous nous deux, c'est-à-dire le dixième, il a un point, le neuvième, il a deux points, le huitième, il a trois points, ainsi de suite, donc le numéro 1 a 10 points. On retrouve Adieu les cons et Play à égalité à 12 points. Ouais. Donc sur la troisième marche. Donc en gros, c'est la deuxième et la troisième marche, puisqu'ils sont à égalité, c'est les trois premiers. Tu vois ce que je veux dire ? Le premier, j'ai deviné, moi. Eh bah oui, le numéro 1, c'est Miss. Mais oui. Donc, semble-t-il, d'après notre top, mais c'est intéressant de voir que, parce que, bon, toi, tu as vu plus de films que moi, je pense que ton top est plus valable que le mien, moi, j'ai vu ce que j'ai pu voir, mais si on se base et qu'on met en commun, donc, on voit que Adieu les cons est bien classé chez les deux, Play est bien classé chez les deux, en mélangeant les deux, et Miss est très bien classé chez les deux. Donc, voilà, notre petit avis sur cette année de cinéma français. Ouais. Quelque chose à ajouter ? Oui, je triche un peu, mais j'avais hésité pour la dixième place, parce que j'avais juste en dessous, j'avais Fille de joie. Voilà, mais j'avais envie de parler d'un film voilà, qui a pas eu de vue, et c'est important pour moi de préciser, parce que faire un vrai plan séquence, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, et donc Aland est passé devant grâce à ça. Voilà. Ok. Mais on s'arrête là pour ce top alors ? On s'arrête là. On s'arrête là pour ce top. Merci à Yaya d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous donner votre top, les films que peut-être on n'a pas vus. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans le top, qu'on ne les a pas vus. Hein. Ça, une fois, on m'a fait la remarque. Tu n'as pas vu ce film ? Si, c'est juste que c'est de la merde, par exemple. Je ne dis pas que ça va être le cas, mais faites attention. Les films qu'on n'a peut-être pas vus, peut-être que vous voulez appuyer certains films, comme par exemple Aland, peut-être qu'ils méritent d'être appuyés, donc n'hésitez pas. Ou vice-versa. Non, ça, c'est un Pixar. Mais bref, vous avez compris. Alors, portez-vous bien. Et ciao tout le monde. Moi, je vais faire un petit flop du cinéma français tout seul, mais il n'y en aura pas beaucoup dedans. Il va être très petit. Allez, portez-vous bien. Et ciao tout le monde. Merci Yannick. Ciao tout le monde.